Ok les potes, bienvenue pour la boutique quotidienne. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. Comme d'habitude, on va du coup remonter tout en haut parce que c'est tout en haut. Internet, bon, il n'y a pas trop chaud de nouvelles les gars là. N'attendez pas un miracle, mais voilà, on a pas mal de choses, je monte tout en haut. Voilà, les marshmallows. Toujours disponible, ça, on l'a vu hier. On a toujours les collabs en rapport avec l'univers de Marvel. Également le retour de Black Widow, beaucoup l'attendez, y compris surtout sa pioche les gars. Beaucoup plus rare aussi. Ensuite Gamora, tout ça, Thanos et puis Star-Lord, bon ça on les a tous vus hein, j'étais là hier les gars, ils vont rester un petit moment en boutique, donc profitez-en, n'attendez pas qu'ils soient plus là pour un moment et qu'ils... Ah, ils ont remis le skin Lewitz, ok, avec le deuxième du coup deuxième skin, puis il y en a deux avec son petit... Attends, je vais vous montrer le prix, c'est vrai qu'on voit pas le prix. 1500 V-Bucks, 1800 parce que du coup vous l'avez l'autre que la pioche intégrée. On avait du coup ensuite nous avons disponible le partenariat avec Nike. Ah là ils ont mis séparé aussi. Je me dis aussi c'est bizarre qu'ils n'avaient pas mis ça, ils n'hésitaient pas ceux-là. Ils avaient mis que le pack ici. Donc là ils avaient mis le petit collecte. Le petit deuxième du coup pour le même prix. Et le partenariat de Nike. 800 V-Bucks. Ensuite, les petits canards de l'horreur, on va les appeler comme ça. Les goûts et les couleurs, littéralement. Là, en rapport avec Pâques, je vous rappelle qu'on Pâques en Amérique, on est le 1er avril pour eux. Nous, nous sommes peut-être le 2, mais nous sommes toujours Pâques, les gars. Hein. Alors là, vraiment, les skins un peu lapinet, tout ce qui est lapin, quoi, les lapins. Le skin Azuki, bon, c'est pas un rapport avec Pâques, mais ils l'ont mis au milieu de Pâques, hein, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi ils l'ont mis au milieu de Pâques? Il y a Pâques là, il y a Pâques en bas, et lui, il est au milieu. Ça n'a aucun rapport avec Pâques, on est d'accord? Ouais, c'est moi qui ai depuis l'épisode. Hein. Bref, c'est pas grave. Ça fait plaisir quand même de le voir en boutique. Hein. Alors, tous les skins dans l'univers de lapin. Des petits œufs. D'ailleurs, les gars, est-ce que vous êtes gâtés pour Pâques, les gars? Est-ce que vous avez eu des chocolats? Ou si vous n'avez pas trop de chocolat, peut-être que vous avez eu d'autres choses à la place. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le chocolat, ou pas trop. Du moins, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Dites-moi quand même si vous avez eu des trucs pour, voilà, pour Pâques, ou une petite peluche en rapport à Pâques, ou enfin, des trucs comme ça. Ok, les skins, toujours les skins oiseaux. Hein. Le petit skin troll. Le poids sky. Du coup, avec tout son petit ensemble. Vous avez du coup, quand même, trois revêtements. C'est quand même assez rentable comme pack. Si vous adorez, du coup, le petit poids sky, plutôt drôle. C'est un des premiers skins poids sky. Hein. Pour ceux qui se rappellent pas, peut-être que. Je ne sais pas depuis quand vous jouez sur Fortnite. Il est sorti en décembre ce pack. Vers le. Je crois que c'était le 27 décembre. Si je me rappelle bien. 2018. Je me souviens parce que c'est la boutique, elle était. Elle avait plus de vues que celle de Noël. Ça m'avait surpris alors que le skin pour Sky, les gars, les gens disaient waouh, ouais, le skin... c'était un des skins un peu troll qui est de Fortnite en sortie. Et comme quoi, les skins troll, bah ça marche quand même. Et maintenant, il y en a plusieurs pour Sky, mais c'est celui-là le tout premier. Ouais, est-ce que tu veux dire, voilà, bon, c'est les burgers, les skins Midas et les petits skins en rapport avec l'univers de Midas, du coup, Oro et Aurelia. Voilà, du coup avec le planeur et le petit outil de squelette qui va avec. Ensuite, Aubrey du coup, qui est du coup, je l'ai pris les gars, je l'aime bien ce skin. D'ailleurs, je l'ai pas encore mis parce que j'ai pas joué aujourd'hui. J'ai pas, voilà. J'ai pas vraiment joué aujourd'hui, mais du coup, il faudra que je le mette. Le petit skin saucisse, que j'ai toujours hésité à l'acheter. Peut-être un jour, je l'achèterai vraiment. Parce qu'en vrai, c'est dommage que je l'ai pas eu dans un pack. Je l'aurais peut-être plus s'il était tout le monde dans le même pack. C'est déjà arrivé que des fois, Fortnite mettait tout ça dans le même pack. La prochaine fois qu'il ressort, s'il met tout dans le même pack, je le prendrai peut-être. Mais en vrai, je trouve qu'il est drôle comme skin. Je sais pas, il a un petit style marron. Pour un skin hot dog, on va dire. Ensuite, la Renegade, du coup, Sprinteuse. Ça fait un petit moment qu'elle n'est pas revenue. Bon, c'est pas un skin très rare en soi. C'est un skin un peu tryhard, je pense aussi. Parce que j'ai vu quand même pas mal de joueurs y jouer. Mais avec la petite baguette, version un peu différente que la première, on va dire, version. Alors, là, on a quoi? Bon, tout ça, c'était déjà disponible. Ça, c'est des skins qui sont là depuis plusieurs jours. Donc, bon. Voilà, ensuite nous avons Galaxy, bon ça ils sont tout le temps. Les petits casiers du. Bah, je sais pas si c'est un streamer ou un youtubeur, je le connais pas. Mais du coup, il a choisi Pizzama Pizza avec tout son petit ensemble. Le skin Lady Gaga, je me le prendrai la semaine prochaine, enfin dans la semaine qu'il a. Dès que du coup. Parce que ça reste le pack bientôt va plus. Et je vous rappelle que vous avez quand même une vingtaine de jours avant qu'il disparaisse de la boutique, les gars. Hein. Donc, toutes les pistes musicales, y compris les nouvelles pistes. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles pistes dans la boutique. Par rapport à la rota tous les jours, ça on connaît les rapports à la voiture. Voilà, le skin, bah, tout ce qui est Lego.
J'attends toujours qu'ils mettent le restaurant de Monsieur Pizza. J'achète pas autre que pizza. Et le petit club de Fortnite de ce mois-ci, bien entendu. Et moi, j'ai très hâte de pouvoir me prendre le petit pack dès que je pourrai. Dans le mois qui suit, bah du coup, dans quelques jours, je pourrai enfin le prendre, les gars. J'ai hâte de le prendre, vraiment. Il coûte 28 euros, c'est vrai que ça coûte cher. Mais bon. J'ai envie de dire, vu que les skins sont ratés. Je crois que c'est raté violette, non, les skins. Je sais plus. Bah, c'est raté Marvel, alors. C'est compliqué de savoir le prix de chaque skin. Séparément, je sais pas. Je pense qu'on va dire raté violette, je pense. Hein. À peu près. Ou légendaire, peut-être. C'est peut-être pour ça que le pack vaut ce prix-là. Après, vous avez quand même tout à l'ensemble. Hein. C'est vrai que beaucoup d'envie. On va pas aller sur le prix, ça qui était quand même un prix. 28 euros pour 3 skins. Après, vous avez 3 versions Lego. Vous avez 3 sacs à dos. Enfin, 2 sacs à dos, excusez-moi. Et 3 pioches. Et 2 danses dedans. Que du coup, vous pouvez faire avec n'importe quel skin en plus. Donc, bon. C'est un prix. Mais bon, après, si vous aimez bien Marvel ou les Gardiens de la Galaxie, ça va pas être rentable. Si vous jouez vraiment avec les skins, pour ma part, oui. Donc, si je vais pas acheter un pack, je jouerai pas avec les skins. Clairement pas. Mais ça, je sais que je vais jouer avec eux dès que je l'aurai. Je le mettrai automatiquement. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et prochains lives. Ah bah, la boutique change de place, bref. Sur ce, bye bye!